Bon, du bir. Alors, bonjour à tous. Nous sommes à cette date aujourd'hui de ce mardi 16 mai 2023, précisément à Dakar. Voilà, je suis Monsieur Joao Joël Shalom Crasso, PDG de Barreau Communication. Oui, en Côte d'Ivoire, enfin Guinée-Conakry. Guinée-Conakry, où on essaie de mettre une restauration en place sur Zérékoré. Voilà, et aussi président de la Fondation Espoir de Vie. Voilà, et donc nous sommes en train de porter nos activités sur Conakry. Parce qu'on envisage mettre en place un hôtel de 5 étoiles. Alors, en Guinée, en fait, au Sénégal, ici, nous sommes dans l'événementiel, nous sommes dans la production des artistes, donc les clips vidéo, beaucoup de choses à la fois. Mais c'est un investissement. En tant que aussi président de la GECA, nous avons décidé d'investir en Afrique. Et nous nous sentons heureux dans n'importe quel pays africain. Et c'est cela. Nous voulons contribuer, par la grâce de Dieu, au développement des pays africains. Parce qu'aujourd'hui, que vous voulez ou pas, chaque continent va au secours de son continent. Les Européens sont en train de sauver l'Europe avec la guerre que vous connaissez. Tout ça, les Américains sont en train de sauver. Nous, les Africains, nous devons venir au secours de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le bas niveau intellectuel de nos petits frères, c'est la terminale. Si vous voulez, c'est un bac plus 2. Ou bien, plus 3, la licence. Ben, ils sont là sans emploi. Il faut éviter que les politiciens les récupèrent, les manipulent. Mais en même temps, il faut les occuper, il faut investir. Aujourd'hui, si nous voulons avancer, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'investissement. Voilà, donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. Moi, en tant qu'un homme public, une personnalité publique, je suis un modèle, je vais être un modèle dans ce que je suis en train de faire en tant qu'activité. Et c'est ça, c'est ce que je suis en train d'apporter comme mon aide. Voilà, donc nous sommes au Sénégal. Si vous voulez nous contacter, venez au Sénégal. Et nous sommes en train de s'installer petit à petit dans beaucoup de pays africains. Je reviens sur la problématique qui existe aujourd'hui. Alors, c'est vraiment important de poser ça sur une table et puis en discuter. Moi, je peux ne pas rencontrer ça. Il y a beaucoup de personnes qui rencontrent un peu cette problématique où ils vont dans un pays et les gens sont nationalistes. Parce que c'est ce que vous ne savez pas. Quand on dit raciste, ça veut dire que c'est une question de peau. Quand on dit nationaliste, ça veut dire que c'est la nation. Voilà. Tu peux être encore du voir les Ivoiriens n'aimeraient pas qu'un Sénégalais. Ou bien un truc qui vient, voilà, tu peux, c'est ce qu'on appelle nationaliste, ou ethnique, voilà, dans la même ethnie, dans le même pays, on n'aimerait pas que quand tu viens à Gagnoa et qu'un Djoula vienne investir en Gagnoa, c'est ça. Mais le problème, c'est que quand les gens aujourd'hui demandent aux sociétés africaines, en fait, dites européennes, de partir, les Borori, etc., et que des jeunes investisseurs tels que nous, qui avons le courage, parce que ce n'est pas aussi facile, d'abord pour investir, il y a d'abord un. Pour venir en prospection. D'abord, la prospection, ça veut dire que tu perds ton billet d'avion. Tu viens séjourner dans un pays, ça peut te prendre 3, 4, 5, 6 mois, où tu prends le temps en train de voir si tu peux investir, c'est de l'argent, mais en même temps, tu contribues au développement en prenant tes hôtels, en prenant les résidences, etc. Voilà. Et même le transport, tout ça, tu contribues. Le 2. Avant de réfléchir à tout ça, parce qu'avant même d'investir, vous réfléchissez à tout ça. Voilà. Et quand on a tous les papiers, parce que moi je l'ai déjà, hein, j'ai tous mes papiers qu'il faut dans n'importe quel pays où je suis. Et comme je disais, je viens de finir avec les impôts. Voilà. Ça, c'est les impôts au niveau de la Guinée-Conakry. Hein. Voilà. Direction générale des impôts. Hein. Moi, j'ai fini aussi tous mes documents des impôts, tout ça. Ta fiscale, tout ça. Voilà. Donc, j'ai tous mes documents. Voilà. J'ai tous mes dépenses. Donc, je contribue au pays, au développement des pays. Quand je suis en Guinée, ça veut dire que mon argent contribue au développement de l'État guinéen. Donc, je suis au Sénégal. Normalement, mes impôts, je dois les payer, etc. Mettre en règle vis-à-vis. Je suis dans une procédure. Au niveau du Sénégal, je suis dans une procédure. Voilà. Pour me mettre en règle vis-à-vis de l'État sénégalais. Non, ça veut dire qu'on a confiance à l'État sénégalais. On a confiance à l'État guinéen. Mais les investisseurs ont besoin d'une assurance. De telle sorte que ne les prenez pas comme des sociétés étrangères. Prenez comme des frères africains qui veulent investir dans un pays. De telle sorte que vous les facilitez la tâche.
les stades soient qu'il n'y ait pas de problème. C'est ça le problème que les gens rencontrent. Parce que c'est pour ça que les gens ne veulent pas. Ils ne veulent pas venir. Parce que quand ils pensent que vous les traitez des étrangers. Non, on ne peut pas être étranger au Sénégal. On ne peut pas être étranger en Côte d'Ivoire. On ne peut pas être étranger en Guinée. On ne peut pas être étranger en Guinée. Moi, j'ai déjà vécu ça en Guinée. Hein. Ça, je l'ai déjà vécu en Guinée. Et mais d'une manière barbare. En Guinée, j'ai une expérience en Guinée. Mais comme ce n'est pas tous les Guinéens qui m'ont créé des problèmes, ce n'est pas tous les Guinéens. Mais j'en ai déjà vécu. Heureusement, j'ai des amis qui sont aujourd'hui à des grandes responsabilités, qui m'ont mis en contact avec les ministres, etc., qui m'ont facilité les choses et qui m'ont permis de connaître une autre facette de la Guinée. Mais faites attention. Quand les investisseurs viennent dans votre pays, ne les prenez pas comme des étrangers. Parce qu'un Africain doit être heureux d'être sur le sol africain. Voilà. Et moi, j'ai dénoncé cette pratique. N'importe quel pays, si je rencontre ça au Sénégal, je vais vous dénoncer ça. Parce que nous, on demande aux gens de venir. Et là, ne crée pas les problèmes. Les gens, ils me regardent. Je suis comme un modèle. Les gens, ils me regardent. Donc, ils ont peur. Parce que, écoutez, mettre au moins 10 millions de francs CFA, ça, c'est rien du tout. Mais un investissement, ça, c'était 30 millions, 40 millions, 50 millions. Avant même de commencer l'entreprise, c'est beaucoup d'argent qu'on met en place. Mais en même temps, il faut créer un système. Et puis, ce n'est pas maintenant, ça va nous rapporter de l'argent. On va d'un point à un autre point. En tant que président des investisseurs africains, la seule chose qui revient sur la table, j'ai eu des réunions, les gens ils disent, quand on va dans un pays, malheureusement, les gens nous traitent mal. Ils nous traitent mal parce que... On n'est pas de leur nationalité, donc ils n'aimeraient pas que leur entreprise s'installe. Ils ont une idée derrière pour nous créer des problèmes. Il y en a franchement beaucoup. Alors je vous informe déjà de passage que merci à l'État sénégalais parce que par la grâce de Dieu, nous avons déjà organisé une fois déjà sur le sol sénégalais une rencontre avec les investisseurs. Ce qui a permis que je suis aujourd'hui ici en train d'être un exemple. C'est 2022 et 2023, nous comptons amener ici au Sénégal et en Guinée-Conakry 400 investisseurs. Déjà en Guinée-Conakry, dans le domaine minier, voilà, minier que nous allons emporter les gens. Je suis déjà en contact avec l'État qu'on appelle Guinéen. Voilà, donc nous sommes en train de travailler. Après le forum, nous avons un forum ici à partir du 6, 7, 8 et 9, 400 investisseurs. Et après ça, nous serons en Guinée-Conakry. Voilà, nous travaillons dans la sous-région parce que déjà en tant qu'Ivoirien, et quand vous avez des papiers d'une entreprise ivoirienne, il n'y a pas de problème au niveau du Sénégal, nous n'avons pas de problème au niveau de la Guinée, etc. Le seul problème que les gens rencontrent, c'est que les gens, ils trouvent qu'il faut que tu sois guinéen, ils trouvent peut-être qu'il faut être sénégalais, c'est ça, c'est la problématique. Moi, je n'ai pas de problème pour le moment. Mais le problème de nos investisseurs, nos amis, nos frères que nous demandons de venir investir dans les pays, c'est un peu leur problème ça. Parce que les gens, mais malheureusement, les mêmes gens qui parlent que les pays maghrébins, les maghrébiens, etc., aujourd'hui, ils ne veulent pas, ils sont racistes. Mais vous voulez vous partir dans d'autres pays, vous dites qu'ils sont racistes, d'autres pays, d'autres personnes africaines viennent dans votre pays, ils vous comportent ainsi mal. Mais au fait, je suis la voix des gens qui sont dans le secret et qui n'ont pas envie de venir parce qu'ils ont vécu beaucoup d'expérience. Donc il faut faire attention, il faut faire de telle sorte que les gens ont ce courage-là de venir investir dans des pays. Parce qu'il y a des investissements où les gens, ils sont nationalistes. Comme ils pensent que tu es étranger. Mais aucun Africain n'est étranger dans un pays africain. Non, aucun. Aucun. Bon, les gens se plaignent. Parce que eux-mêmes, les nationalistes, ils ont peur d'investir parce qu'ils ont fait une expérience avec leurs propres parents. Ça n'a pas marché. Bon, les gens, ils veulent venir investir. Il y a beaucoup de nos frères et soeurs africains qui ont des diplômes sans emploi. Quand on veut venir investir, soyez quand même sympa. La sympathie, c'est très important. Voilà, c'est ce qui est dit aux gens. Nous, on a vécu dans un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Et dans le pays de la Côte d'Ivoire, On a marché avec les Sénégalais. Moi, j'ai grandi avec les Sénégalais, j'ai grandi avec les Guinéens, j'ai grandi avec les Maliens, j'ai grandi avec les Burkinabés. On a vu des gardes, des vigiles de nos parents qui étaient des Burkinabés. On a vu des. Ça ne nous a pas créé de problème. On n'a pas eu de complexe. Mais quand on va dans d'autres pays, accueillez-nous très bien parce que si vous n'accueillez pas des sociétés africaines, africaines, des parents africains, encore de la sous-région, très bien. Vous allez voir que vous allez connaître des problèmes.
Parce que les mêmes blancs que vous chassez là, quand ils vont partir, qui prend la relève? Qui va prendre la relève? Parce qu'aujourd'hui, c'est les sociétés africaines. Il faut qu'on soit en mesure de vous dire cette vérité. Les Africains n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Mais le problème des Africains, c'est eux-mêmes les Africains, c'est les Africains même. Et ça, c'est une vérité qu'on veut vous dire. Et faites très attention. Parce que moi, chaque jour, quand je parle, beaucoup, moi-même d'abord, en fait, je vous fais une confidence, avant de venir en Guinée, en fait, au Sénégal, beaucoup m'ont dit qu'aucun Africain ne reçoit dans une entreprise au niveau du Sénégal. J'ai dit, on me dit non, parce que les Sénégalais sont nationalistes. Ça m'a paru bizarre. Mais c'est un Sénégalais qui a permis que j'aime le Sénégal. Je suis au Sénégal, c'est un, au Sénégal aujourd'hui, c'est un moi, j'aime bien avoir une propre expérience à moi. Je n'aime pas écouter les gens. J'aime prendre le risque, parce qu'en matière de business, il y a le risque qu'il faut prendre, il y a le risque. Non, oh. Si j'avais vécu cette expérience, ben vous pouvez compter sur moi, je voudrais partager à tout le monde. Et donc, partout où je passe, c'est une expérience que je partage avec des gens qui sont dans le secret et qui attendent beaucoup de moi. Beaucoup, ça veut dire les informations. Mais l'Afrique, c'est le continent où d'investissement. Il n'y a pas un endroit où on doit plus investir qu'en Afrique. Ah, ici, au Sénégal, il y a beaucoup à investir. Moi, j'explique aux gens, les gens viennent. Même aujourd'hui, quelqu'un est en train de venir sur le Sénégal, sur mon invitation, il ira aller de Gorée, c'est tout là, ça fait rentrer de l'argent. Voilà. En Côte d'Ivoire, j'ai fait rentrer combien de personnes? Mais plus de 10 000 personnes sont rentrées en espace de 4 ans sur la Côte d'Ivoire pour l'investissement dans beaucoup de domaines. Ils ont valorisé, qu'on appelle, c'est moi, par mon contact, qui ont valorisé les résidences à Pâtes. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Même en Guinée-Conakry, c'est ce que je suis en train de faire. Malheureusement, en Guinée-Conakry, j'ai vécu une merde en Guinée-Conakry. Mais heureusement qu'il y a d'autres personnes que... Ne soyez pas méchants avec des gens que vous pensez qu'ils ne sont pas de votre pays, la Guinée-Conakry, et faites d'autres choses ailleurs. Non, soyez sympa avec les gens, parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Et c'est l'Afrique qui gagne. Donc, je vais vous montrer, ça, c'est des investissements déjà. J'ai fait combien de temps? J'ai d'abord pris du temps. Ça m'a coûté de l'argent. Ça m'a permis de donner de l'argent aux gens, des résidences, des hôtels, etc. pour moi-même installer, pour créer. Mais j'engage les gens. Ces gens-là, je les engage aujourd'hui. Je contribue au développement du Sénégal. Comme je contribue au développement de la Côte d'Ivoire. Comme je contribue au développement, n'est-ce pas, de la Guinée-Conakry. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Voilà, donc j'essaie de motiver les gens. Nous serons là pour dire, je suis en train de motiver les gens à venir investir au Sénégal. C'est un autre challenge. En 2022, c'était devenu, parce qu'on commence d'un point à un autre point, on a des investisseurs qui me posent la question. Nous serons là. Moi, j'ai déjà fait ma société événementielle. Je suis dans une procédure, en espérant avoir tout, me positionner. Mais sinon, en Côte d'Ivoire, il y a les papiers. En Guinée, qu'on a pris les papiers. Au niveau de le Sénégal, je suis dans une procédure. Voilà, et je suis en train d'aider, n'est-ce pas, l'État sénégalais à avancer. Mais pour vous dire, par mon aide déjà, pour dire en l'espace de un an, j'ai fait déjà envoyer 300, c'est tout. J'ai déjà fait venir déjà 60 personnes qui sont déjà venues. Et il y a certaines personnes qui sont dans beaucoup de domaines déjà, ouais, discrètement, qui sont en train de travailler. Donc voici mon bureau, nous sommes à l'événementiel, c'est pas vos communications. Voilà, nous faisons des clips vidéo, tout ce qui est Sport TV, voilà, tout ce qui est Sport TV réalisation. Et aussi, voici notre salle digitale. Alors, voici notre salle digitale. Voilà, voici notre salle digitale. Voilà, ça c'est le studio. Voilà, c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, comme vous le savez déjà, sur nos sites internet, sur nos pages Facebook, sur nos différents qu'on appelle plateformes digitales. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ce qu'on peut déjà dire. Voilà, donc voilà, nous avons une structure événementielle, etc. Et celui-ci, c'est l'artiste que nous sommes en train de produire avec un thème aussi puissant d'une chanson que l'Afrique ça va. Voilà, donc c'est ce qu'on peut déjà aujourd'hui dire. Et puis bon, je demande aux jeunes africains de penser au changement climatique. On y va dans mon bureau. De penser au changement climatique, c'est viens mon artiste. C'est la chose la plus vraie, c'est que il y a un changement climatique. Si on ne change pas bien, très bientôt les choses vont se dégrader. Très bientôt le changement climatique, c'est chose vraie. Vous voyez que tout est en train de changer. Donc on lutte, on se bat pour ça. Si on se bat aussi pour l'immigration clandestine. Okay, les gens ils pensent qu'il faut aller vivre en Europe, c'est quand on vit en Europe qu'on est plus heureux. Non, on peut vivre heureux en Afrique. Voilà, c'est une communication qu'on essaie de faire. Nous luttons aussi contre
l'immigration clandestine, aussi le changement climatique, etc. C'est le combat que nous sommes en train de mener pour amener les gens à comprendre qu'aujourd'hui, l'Afrique, que vous voulez ou pas, l'Asie, les Amériques, aujourd'hui, ils comprennent aujourd'hui et qu'il faut venir s'investir en Afrique parce que l'Afrique est le continent d'avenir. C'est le continent d'avenir. Mais c'est la chose que je vous dis, faites attention. Ne pensez pas qu'un Ivoirien doit être étranger au Sénégal, un Ivoirien doit être étranger aussi en Guinée. Évitez ça, parce que les gens, ils peuvent mettre l'argent de côté, ils vivent mieux. Voilà, donc c'est l'Afrique qui gagne, battons-nous pour l'Afrique et on est ensemble.